les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Sacré bordel derrière moi, c'est quand même visible tu vois. Du coup on se retrouve pour un haul try on avec des articles principalement pour l'automne, quoique il y a quelques maillots de bain. Je l'appelle du maillot de bain, c'est jamais bien loin, hashtag fille des îles, hashtag Caribbean girl tu vois. Il y a principalement que des trucs que j'ai reçus, et bon en soi c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi, c'est juste des articles que j'ai reçus gratuitement et je vous les montre. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que à mon avis on est là pour un petit moment les gars. Posez-vous parce que ça va être long. On va commencer dans un premier temps avec une montre que j'ai reçue de la marque Zoéline, qui a été créée par Julie, Trendy Judy. Elle a créé sa marque, donc franchement je trouve ça cool. C'est une marque de montre et je vais vous la montrer. La montre est comme ceci. En fait vous pouvez changer le bracelet, donc elle m'a envoyé deux bracelets. Du coup c'est des petites montres comme ça que je trouve vraiment trop mignonne. En plus quand vous recevez le colis c'est totalement personnalisé, il y a une petite odeur d'ambiance. Elle m'a demandé quelle odeur je préférais et tout ça. Le parfum qu'ils mettent dans la boîte et ça sent trop bon. Faut que je lui demande c'est quoi parce que c'est un truc de ouf comment ça sent bon. Les petites marques comme ça je soutiens à fond. Attendez, je vais quand même faire un petit ménage derrière parce que c'est quand même n'importe quoi. Voilà. J'ai lâché un postillon, ça m'a déstabilisé. En plus, ne voilà-t-il pas que Julie est martiniquaise? Ouais, je te dépose ça là. Aux Antilles, on a du talent. Donc ensuite, on a ce petit bandana là de la marque Paradise Bandana. Voilà, c'est un bandana avec des fleurs de nos îles qui a été créé par un Martiniquais. Voilà, voilà. La meuf qui place la Martinique en grand. Eh ben oui les gars, parce que si je peux placer la Martinique partout, je le fais, tu vois. Vous pouvez le porter soit autour du cou, soit dans les cheveux, tout ça. Comme ça, machin, ça fait super stylé et tout. Et puisque nous sommes dans la Martinique, 972 représente, je vais vous parler du site Fashion by Sunkist. C'est un site dont je vous ai déjà parlé, qui a été créé par une Martiniquaise. Et du coup, j'ai quelques articles, puisqu'elle avait fait une vente privée, brunch et tout ça, qui était super sympa d'ailleurs. Je vous avais posté les photos sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, attendez-vous les gars, puisque maintenant, faut savoir que je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur Snapchat. Insta Story a réussi à m'attraper comme ça et puis je fais des stories comme ça, tu vois. On a cette combinaison là dans un premier temps qui est grave belle. Elle fait un effet mais habillée tout de suite. Ça veut dire que tu mets ça avec une petite paire de talons, frère, t'es à tes refaits. Elle est super belle. Elle est retirée à la taille avec une petite ceinture et elle est un peu ouverte dans le dos. Foncé parce que la qualité des vêtements est très bonne. C'est pas du Made in China hein, qu'elle commande. C'est vraiment des trucs qui viennent d'Italie, de France même. C'est vraiment des produits de très bonne qualité. Ensuite, on a ce petit chemisier sur lequel j'ai flashé également pendant la vente privée. Espèce de grosse fleur dessus, aux couleurs de l'automne, je trouve. Et on a le petit détail en strass comme ceci tout au long du chemisier, donc il est vraiment très beau. Et dernière combinaison, c'est la combinaison les gars, quand on te voit avec, c'est bim, tu te fais forcément remarquer déjà parce qu'elle est de cette couleur là, mais en plus elle est canon. Ouverture sur le ventre comme ça, les manches, épaules dénudée, tu connais. Après j'avoue j'ai forcé un peu parce qu'elle est un peu trop grande pour moi, mais j'ai envie de vous dire, comme tous les vêtements, voilà, ça traîne hein. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la porter les gars, parce que quand je vais la porter les gars, faut que ce soit un événement, bam, tu vois, c'est... Je sais pas encore. C'est pas transparent, ça maintient bien, ça galbe bien. Pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai un code promo de moins 10% sur le site Fashion by Sunkist, qui est le code SOLEILFEMME10. Voilà, pour une fois je me rappelle de mes codes promo, c'est bien ça, le métier commence à rentrer ça. On va continuer avec des chaussures, pour le coup c'est des chaussures que j'ai achetées, hein. J'ai commandé sur le site ego.co.uk. Il y a de la ponctuation, hein. Il y a beaucoup de points dans le nom. C'est un site qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, c'est un site anglais. J'avais envie d'une paire de bottes rouges et j'avais flashé sur une paire de bottes, puisque je l'ai su sur Instagram. C'est rouge pétant, c'est-à-dire que c'est des bottes quand vous les portez, on les voit. C'est assez... Enfin voilà quoi, je pense que vous voyez la botte les gars. Donc très bonne qualité, le talon est assez haut, moi ça me dérange pas. Enfin les bottines hautes comme ça, je suis assez stable dedans. D'ailleurs je n'ai aucune bottine sans talon. Voilà, parce que je suis team petite et plus il y a du talon, plus... Hey, je suis là, tu vois. Par contre, le seul bémol, c'est que... Ah ben, faut pas avoir un gros mollet, parce que sinon, ça ne se ferme pas, tu vois. Mais mon mollet, il est dans la limite. C'est-à-dire que moi, j'ai des gros mollets quand même. Si c'était
1 cm de plus, ah c'est foutu. Ça me fait un garrot, je ne respire plus de la jambe, on m'ampute. Si vous avez des gros mollets, ça sera pas forcément adapté, surtout que c'est pas hyper élastique quoi. Donc voilà. Et j'ai aussi pris cette paire de bottines là. Alors par contre celle-ci c'est cool parce que c'est un petit peu plus élastique au niveau du mollet. Je les trouve tellement canon. Franchement, je trouve qu'elles font classe, elles font waouh. Arrivez assez rapidement. Petite astuce les gars, quand vous commandez sur les sites anglais, ne passez pas en euros, commandez en pounds. Restez sur le site UK parce que ça revient moins cher. J'en ai eu pour 87€, je crois, avec les frais de port compris. Alors que si j'avais commandé sur le site français, ça me faisait 110€. Voilà, donc j'ai quand même économisé un petit peu. Très très bon plan pour celles qui sont amatrices de chaussures. Il y a des chaussures là-dessus, les gars, c'est des pépites. Rentrons dans le vif du sujet avec les articles du site Romwe. Là, je vous avoue que pour le coup, j'ai été un petit peu déçue de certaines pièces. Préparer, c'est arrivé quand même assez rapidement, en 10 jours. Mais il y a certaines pièces, je me dis, assez moyen. J'ai commandé beaucoup de pantalons. Voilà, parce que c'est ma passion du moment et vous savez déjà que moi quand j'ai une passion, c'est l'excès, voilà. C'est un petit pantalon qui se présente comme ça avec une petite ceinture pour resserrer à la taille. Pour les tailles en général, je prends soit ma taille ou une taille au-dessus pour les pantalons, mais je me réfère beaucoup aux centimètres, c'est-à-dire que je regarde beaucoup par rapport à la taille de mon cul, voilà. Ou je regarde surtout le potentiel fessier du pantalon, quoi. C'est-à-dire s'il prend tout le matériel en même temps, tu vois. Il est droit, en fait. Et la couleur, c'est une espèce de petit café au lait très joli. Ensuite, on a ce petit chemisier-là. Il est court, c'est un chemisier crop top. Et je suis fan des rayures comme ça, en ce moment. Il est très joli également, la matière est assez fluide. Un pantalon. Par contre, celui-ci, j'étais un petit peu déçue, je vous avoue. Il avait l'air un petit peu plus camel sur le site. Et quand je l'ai reçu, il fait vachement orangé. Du coup, je l'ai pris en taille L, celui-ci. Et j'ai bien fait parce que pour les fesses, on est dans la limite. J'aime bien les pantalons qui sont un petit peu évasés vers le bas, mais celui-ci, je trouve que ça fait bizarre, donc je vais le resserrer un petit peu. Il a une petite ceinture, ça taille bien, ça me fait des fesses un petit peu. Emoji pêche, c'est sympa. J'ai pris ce petit bustier-là. Ouais, je trouvais ça joli, avec un petit pantalon noir, taille haute, une petite veste noire, blanche, enfin, ça dépend, ça fait un petit côté chic-chac. Chic-chac. Il taille bien, le tissu est assez épais, ça reste quand même assez élastique, c'est pas transparent. On sent la qualité, c'est pas mal. Nous avons un pantalon. Je me fatigue moi-même, c'est incroyable. Donc ce petit pantalon-là, j'avoue, j'aurais peut-être pu le prendre en taille M parce que ce pantalon-là, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que pendant les grandes vacances, j'ai craqué un pantalon quand j'étais à la soirée de la WIF. Parce que j'ai voulu faire avec les copines ces caca panthères. Ben là, pour le coup, c'était vraiment caca panthère. Et ben là, tu vois, je me dis, comme il est un peu serré, à mon avis, si je fais caca panthère avec ce pantalon-là, ah, c'est foutu. C'est un pantalon pour ne pas faire caca panthère. Pas trop de baki top avec ce pantalon-là. Tu vois, c'est un pantalon pour marcher dans la rue. Ensuite, on a cette veste-là. Alors, les vestes, je vous avoue que je suis assez déçue, vraiment. Enfin, je sais pas si vous voyez la matière, mais c'est super fin, il n'y a pas de doublure, rien. En plus, celle-ci, ça, c'est pas du tout la même chose qu'il y avait sur le site. J'ai pas compris, je me suis dit, mais attends, c'est pas moi, j'ai pas commandé ça, ça n'a rien à voir, c'est bon. Et en fait, c'est une veste, elle paraissait longue sur le site, mais là, pour le coup, elle est vraiment très longue. La couleur, enfin, je suis pas hyper fan, j'ai l'impression qu'on dirait les imperméables, vous savez, les gros imperméables, enfin, c'est la même couleur, je sais pas. J'ai pas le coup de cœur. Une autre veste également, pour laquelle j'ai été déçue de la matière, enfin, je pense que vous voyez, c'est pas doublé, rien du tout. On dirait un chemisier, c'est la matière d'un chemisier, en fait. Les vestes, en général, je les prends soit en taille S, soit en taille XS pour que ce soit bien ajusté. Elle est belle, je ne veux pas dire qu'elle soit moche parce que en soi, je la trouve jolie et pour les styles que je vais faire avec, ben ça me va. C'est juste que j'aurais préféré que ce soit une veste un petit peu plus épaisse. Si vous vous attendez à des vestes style Pinky ou Zara, c'est pas la même qualité quoi. Cette robe, c'est une robe. C'est une robe t-shirt. I'm my own boss. Voilà, je suis mon propre patron. Je suis fan des robes t-shirts et en plus celle-ci avec une petite ceinture noire, des cuissardes, un perfecto les gars. Boum, je suis dans la place, tu vois. Après, on n'est pas dans la discrétion, mais moi je suis pas dans la discrétion, donc ça ne me dérange pas.
Après, si vous, vous êtes plus dans la discrétion, n'achetez pas ça. Ensuite, on a un petit pantalon style jogging. J'ai bien aimé, je l'ai pris en taille M. Et pour le coup, j'aurais dû le prendre en taille S parce qu'il est, il taille vraiment un petit peu large. Et c'est trop grand pour moi, voilà. C'est trop grand en bas, c'est chiant parce que du coup, quand les pantalons sont resserrés comme ça en bas, c'est galère de les reprendre. Donc, super joli. Je pense que je peux faire des looks très très sympas avec. On a ce petit pull. Voilà, le retour du gris chiné, ça faisait longtemps. Qui est sympa, c'est un petit peu le classique. Enfin, c'est pas la pièce de ouf, mais c'est joli quand même. Tu vois, il y a les petits détails et tout, le petit lacet. Alors par contre, pour les finitions, c'est pas ouf, hein. Et aussi, il est pas agréable à porter. Après, je vais essayer de voir après un lavage s'il est un petit peu plus doux. Mais là, en tout cas, quand tu le mets, ça gratte un peu. À voir au lavage ce que ça va donner. On a ce petit haut là. The future is female. Un petit look street. Un peu street comme ça, j'aime bien. Il est joli. Je suis pas fan du col en fait. Je trouve que le col, ça aurait été plus beau si c'était un petit peu plus resserré. Ensuite, on va entrer un petit peu dans la lingerie, un petit peu dans le sexy. Voilà, on a ce petit body tout transparent. Après, moi je trouve ça super joli, ce style de body là. Avec des cache-tétons et une veste par-dessus. Comme ça, ça laisse entrevoir légèrement, mais sans trop. Enfin, moi, j'aime bien, j'aime bien. Après, ça dépend vraiment de tout un chacun. Et vous pouvez également le porter, voilà, sans rien. Juste le body pour votre chérie, voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. On a encore une espèce de lingerie comme ça. Moi, je trouve ça joli pour porter en dessous d'un pull. Ou un petit peu la dentelle à travers le pull. Je trouve ça très, très joli. On a ensuite ce petit body, encore une fois. Le décolleté qui est assez présent. Petit côté satin. En dessous, le petit côté transparent totalement. Alors, moi, je vois ça. Soit avec une espèce de bas, un peu de jogging façon, avec des talons, tu vois, pour un peu casser le truc. Soit, ben pour l'instant, c'est que comme ça que je le vois, je vous avoue. Donc, à tester. Ensuite, revenons au pantalon. Voilà, puisque toujours plus de pantalons. J'ai pris des pantalons de toutes les couleurs. Voilà, j'ai pris un petit pantalon bordeaux. La texture est assez fluide. Petite ceinture, taille haute, il est droit. Pour le coup, celui-ci, j'aurais pu le prendre en taille S également, puisque sa taille est quand même relativement grand. Mais c'est joli. Moi, j'aime bien le bordeaux comme ça. Enfin, je trouve que c'est une belle couleur. Je suis pas en train de finir nu, là, dans la vidéo, genre. Enfin, bon, est-ce qu'on peut se ressaisir? J'ai également repris un petit soutien comme ça. Alors, les soutiens comme ça, je vais vous faire une vidéo spéciale gros tété, les gars. Comment faire pour porter des vêtements soit sans soutien ou bien comment faire pour qu'on ne voit pas le soutien quand on a un décolleté plongeant, quand on a un dos nu. Enfin, mettez-moi des pouces en l'air si ça vous intéresse, cette vidéo-là. Bon, dans tous les cas, je la ferai, mais ça me ferait plaisir que vous mettiez des pouces en l'air quand même, tu vois. J'ai déjà porté des soutiens comme ça et pour le coup, moi, ça me maintient bien. Après, c'est pas un truc où tu vas faire 10 000 utilisations avec. Hein. C'est clairement 2 ou 3 utilisations, pas plus, parce qu'après, ça ne colle plus, ça n'adhère plus et ça ne tient plus le tété. Du coup, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits accessoires, les gars. Un accessoire que j'attendais avec impatience et pour le coup, je crois qu'ils se sont trompés. En fait, c'est un adaptateur pour les iPhones, tu sais, comme il n'y a plus le truc pour mettre les prises jack. C'est super chiant. Moi, j'ai déjà eu au moins 4 adaptateurs. Je les ai tous perdus. Donc, je me suis dit que j'allais en commander un autre. Et ben, c'est pas le bon. Parce que là, pour le coup, c'est une prise. Comment ça s'appelle ? Comment ils appellent ça ? Flash. Enfin, une prise de l'iPhone, quoi. Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça. Aïe. Bon, je sais plus. Bref, dans tous les cas, c'est le truc pour charger. Et en fait, là, il y a 2 sorties pour charger. Je ne comprends pas à quoi ça sert, à quoi ça va me servir dans la vie. Voilà, tu vois, le truc s'est projeté. Il sait très bien que je ne vais pas l'utiliser. Enfin bon, j'ai repris une bague que vous aviez beaucoup aimée quand je l'ai portée. Qui est, je conçois, très très imposante, mais que je trouve magnifique. Je l'ai reprise parce que l'autre commence à noircir un peu. Et du coup, j'avais envie de la garder dans ma vie un petit peu plus longtemps. J'ai pris 2 lots de bagues, je vous mettrai les photos. Et j'ai tendance à laisser les trucs dans leur emballage parce que tant que je les porte pas, parce que du coup, bah, ça les protège. Et là, du coup, c'est un bracelet de bras avec les petits coquillages comme ça. Tu vois que ça faisait vachement fille des îles et tout. Hashtag Caribbean Girl, toujours hashtag fille du soleil, tout ça, tout ça. Oh non, j'ai cassé l'emballage. Ça va plus le protéger. Et j'ai pris un petit lot de bracelets, pareil. Bon, je vous avoue que je l'ai pris parce qu'il y avait un petit bracelet cactus
Voilà, et vous savez que je suis fan des cactus, tout ça, tout ça. Pour finir, hein, comme si je n'en avais pas assez, j'ai pris des pinceaux. L'excès, mais vraiment. Donc c'est des pinceaux qui se présentent comme ceci. Ils sont beaux, putain. C'est fait marbre et tout, avec du doré. Moi, je peux pas résister à des trucs comme ça, les gars. C'est trop pour moi. Je suis obligée, tu vois. Même si j'en ai déjà 10 000, ben, j'en ai pas des comme ça. Ils sont au nombre de 10. Ils sont plutôt doux. Je les ai pas encore testés pour le moment. Ils ont l'air de bonne qualité. Ils ont pas l'air de perdre leur poil. Et si vous êtes débutante, les gars, les sites chinois pour les pinceaux, ce sont clairement vos amis. C'est-à-dire que les mecs vous font des kits avec 50 pinceaux pour 10 euros, quoi. AliExpress est clairement votre ami pour les pinceaux. Même sur Amazon, enfin, il y a des petits pinceaux super pas chers quand on débute et tout ça. Quand on veut appréhender un petit peu. Apprivoiser. Quand on veut apprivoiser un petit peu les techniques de maquillage et tout ça, faire des essais et tout ça, pas besoin d'investir dans un pinceau à 30 balles, les gars. Franchement, les petits kits comme ça, c'est très très bien pour les débutantes. Aussi, j'ai également pris un soutien. Alors, attendez que j'essaie de retrouver l'ordre du truc. Pareil, c'est pour vous faire la vidéo, mettre sa poitrine en valeur quand elle est généreuse, dans des vêtements dos nus, très décolleté, tout ça, tout ça. On va passer au site Shein. Alors, sur le site Shein, j'ai commandé une paire de bottines que je trouve canon. Donc, elle est comme ceci. Le talon est assez haut, mais comme il est carré, franchement, moi, quand je marche dans des talons comme ça, à bout carré, même s'ils sont hyper hauts, c'est comme si je marchais dans des Havaianas, quoi. C'est comme si je marchais dans des claquettes. Pour moi, ça, c'est exactement la même chose. Je trouve que c'est tellement confortable que j'ai même pas l'impression de porter des talons. En hiver et en automne, en général, je suis toujours en talons. Et c'est cool parce que, comme ça, je suis un petit peu grande. Et ça me fait plaisir. Elle est en daim, très très belle finition, elle est canon, la qualité est top avec le petit talon, les reliefs, c'est canon, franchement, la qualité des chaussures Shein, je n'ai rien à redire. On va commencer avec les déceptions, tu vois, comme ça c'est réglé, on peut passer au bon truc. En fait, je crois que c'est la seule déception du truc. Donc c'est ce body là, qui est vert kaki, qui est censé être ouvert sur le côté. Je comprends pas, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le site. Pourtant j'ai pris du taille XS, il me semble, pour que ce soit bien ajusté. Non, j'ai pris du taille S, pardon, je m'emballe un peu. Je me dis que comme j'ai une grosse boîte, qu'il n'y a pas de raison que ça flotte ou quoi. Eh ben ça flotte les gars, je ne comprends pas, je ne sais pas. Voilà, on va passer à autre chose, le négatif. Bye bye. Et on a ce petit pull là, couleur rouille comme ça. Et on a une espèce de col qui s'attache comme ça et ça fait une épaule un tout petit peu dénudée, donc ça fait un petit côté sensuel, hein, voilà. Quand on voit un tout petit peu l'épaule comme ça, on se dit, on voit la clavicule, hein, voilà. Petite dédicace à Soline. J'adore cette couleur-là en ce moment, la couleur rouge, je trouve ça très très beau. Le tissu est relativement fluide, relativement fin. J'ai repris une veste en jean. Toutes mes vestes en jean viennent de sites chinois, hein, voilà. Je n'ai jamais acheté de veste en jean à Bershka, par exemple. Je n'ai jamais été déçue. J'avais besoin d'une veste en jean un petit peu plus foncée parce que j'en ai déjà deux qui sont un peu claires. Et j'avais envie d'une foncée, donc j'ai pris celle-là. Pour une fois, les gars, les Chinois, eh ben ils ont fait des trous. Eh ben oui, pour les boutons, ils ont fait les trous, les gars. Et là, on sent que ils sont dans l'amélioration, tu vois. Parce qu'avant, ils te mettaient les traits comme ça et tu te démerdes pour faire le trou, pour faire rentrer ton bouton. Voilà, il n'y a pas de trous. Et là, il y a des trous, les gars. Alors, on est sur une perspective d'amélioration, tu vois. Voilà, elle est jolie, il y a des petites finitions. Enfin, c'est du vrai jean, c'est pas du jean approximatif et elle est de très très bonne qualité. On a un haut qui ressemble à peu près au haut que je porte sur moi. Ouais, c'est quasiment le même style sauf que au manche c'est pas fini pareil. Donc c'est un haut un peu destroy comme ça et il est pas très très long. Il est pas court mais il est pas long. Il est entre les deux. Ça vous arrive au niveau du nombril? Viens là. Il fait son timide là. J'ai pris cette pièce là. Qui ne va très certainement pas plaire à tout le monde. C'est une espèce de manteau. On dirait un peignoir. Je sais que ma meilleure amie en a un comme ça en noir. Je ne sais pas encore si je vais le porter pour aller à l'extérieur de chez moi. Mais en tout cas, j'ai envie de vivre dedans tellement c'est confortable. Vous avez une petite capuche comme ça. Attendez, je vais mettre la capuche. Ah, c'est trop génial, putain. On se sent tellement bien dedans. Ah là là, j'ai vraiment envie de rester vivre là. Bon. On se calme quand même. C'est-à-dire que c'est un plaid avec des manches, hein, très clairement. Nous avons deux vestes du site Shein. Alors, on a celle-ci. J'étais un petit peu déstabilisée pour la couleur parce que j'ai l'impression que c'était du rouge vif. Et en fait, c'est du rouge vermillon un peu. Du rouge orangé. Au niveau de la qualité, les gars, je trouve que c'est au-dessus de la qualité de Romui pour le coup. Parce que du coup, on a quand même les doublures.
les finitions sont très très bien. On a quand même des épaulettes. On a le détail des manches un petit peu retroussé comme ça, franchement. Très très belle veste. En général, les vestes comme ça, avec les épaulettes, je les prends toujours en taille XS pour que ce soit bien, bien ajusté. On a le même modèle en blanc. Alors pour le coup, celle-là est super quali, les gars. Vraiment, c'est une veste qu'on pourrait clairement retrouver chez Bershka ou un truc comme ça. Franchement, elle est canon, elle est blanche comme ça. Pareil, le petit détail des manches un peu retroussées. Nous avons... Ah là là, je sens le jugement. Un pantalon, voilà, bien évidemment. C'est un pantalon. La matière... Attends, comment vous expliquer cette matière-là? Enfin, c'est cette matière-là. Je ne sais pas expliquer la matière. Mais bref, il est taille haute. Il est rouge. Un peu bordeaux. Enfin, c'est du rouge comme ça. Tout va plus loin dans les explications. Il est resserré au niveau du bas du pantalon avec des petits lacets. La qualité de ce pantalon-là est incroyable, les gars. C'est du taille S. Il est... Ce pantalon-là est bijou, les gars. J'ai quand même pris une petite jupe, hein, voilà. Parce que c'est bien beau, les pantalons. Mais les jupes, c'est bien aussi. Pour le coup, j'aurais pu la tenter en taille XS parce que elle taille grand. Je vous avoue, pour du taille S, si vous n'avez pas les grosses fesses, ça va faire bizarre. Ça va bailler, ça va faire... ça va pas être bien, les gars. Donc, si vous n'êtes pas en mode curvy, c'est pas une pièce que je vous recommande. C'est une espèce de simili cuir. C'est assez élastique, la matière, mais... Enfin, les finitions sont bonnes, elle est assez jolie. Je pense que porter avec un petit pull et tout ça, ça risque d'être très très sympa. Un petit pull comme ceci, avec un petit col montant comme ça et une épaule en moins. Voilà, très très beau également, je trouve qu'il fait vraiment, son petit effet ce pull-là. Enfin, c'est beau quoi, c'est joli. Je pense que vous verrez sur les close-up, je l'ai pris en taille S. Pareil, finition nickel, rien à dire. La matière est assez épaisse, ça tient chaud. Nous avons ce petit body, très très joli également, très décolleté. Il est épaule dénudée comme ça. Franchement, la matière est assez épaisse, c'est pas transparent, c'est doublé. Franchement, je suis de plus en plus impressionnée par la qualité des vêtements Shein. Ils font de plus en plus de trucs très très sympas et de très très bonne qualité pour le prix. On a ce body là et il est tout dénudé derrière. Vous avez plein de fils comme ça et c'est tout nu le dos. En plus il est string, donc ça c'est cool si vous voulez mettre ça avec un pantalon près du corps. Enfin, si vous n'avez pas envie qu'on voit vos sous-vêtements. Je vais clairement le prendre dans toutes les couleurs à ma prochaine commande. Je vais le prendre en noir, je vais le prendre en blanc, en bordeaux. Bref, toutes les couleurs parce que mine de rien, c'est un petit body qui fait son effet. Vous l'avez le dos qui est nu. Moi, je trouve qu'avoir un dos nu, je trouve ça très, très sexy de montrer son dos. Et je peux le porter sans soutien. Et moi, dès que je peux porter un truc sans soutien, les gars, c'est la vie. Il est assez élastique, donc du coup, ça maintient bien les seins. Moi, je suis en mode frile les tétés, les gars. Les soutiens-gorge, franchement, ça me saoule, tu vois. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir une petite poitrine. Tu peux courir, tu peux faire plein de trucs, tu peux même pas mettre de soutien, ça passe, c'est génial. Mais bon, après, dans tous les cas, on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein. Vous connaissez déjà. J'ai pris ce petit body-là, qui est totalement transparent en haut. Il a des petites fleurs brodées dessus. Alors... En soi, c'est pas une pièce que j'aurais commandée de moi-même. C'est juste parce que je l'ai vue dans le haul de Sandrea. Et je me disais que ça rendait super bien en fait. Si tu l'associes bien, une jupe noire, un petit pantalon, ça peut être super classé. Je le trouve super beau pour le coup. C'est vraiment une pièce coup de cœur. Et pour finir avec le site Shein, j'ai pris une petite robe portefeuille, couleur rouille toujours, parce que je trouve que c'est une couleur qui me va bien au teint. Ça fait partie des couleurs du moment dans les tendances. Donc le seul petit bémol, c'est que c'est matière chemisier, quoi. Elle n'est pas doublée, donc le seul truc qui est un petit peu dommage. Mais sinon, elle taille très très bien et elle est très très jolie. Les gars, je comptais faire une seule vidéo, mais ne voilà-t-il pas que je vois que le temps défile, défile et défile. Donc je me dis que la vidéo va être longue. Donc, nous allons couper ça en deux. C'est-à-dire que là, vous avez la première partie et je vais être obligée de couper la vidéo. Voilà, de vous quitter là comme ça pour refaire un autre truc parce que là, ça va être trop long, les gars, tu vois. Dites-moi en commentaire les pièces que vous avez préférées dans cette première partie du haul. N'hésitez pas à revenir pour la deuxième partie parce qu'il y a de très très belles pièces également. Donc, ce sera principalement Forever 21 et le site Lupsona. Il y aura pas mal de robes
et de tenue assez sexy, assez sympathique. Voilà, donc je vous invite à revenir pour la deuxième partie. Mettez-moi des pouces en l'air si ça vous a plu. Dites-moi c'est quoi vos pièces du moment. Moi par exemple, vous avez vu que c'était les pantalons. Voilà. Et puis moi je vous retrouve très très vite dans l'autre partie de la vidéo du coup. Et je vous dis, qu'est-ce que je vous dis? Mais je viens de dire très très vite, donc je sais plus qu'est-ce que je dois dire. Ben allez, tchuss.